10 000 codeurs. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. À travers sa jeunesse, accompagné par les grandes sœurs et les grands frères du réseau d'experts 10 000 codeurs. 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans. Et si cette jeunesse était accompagnée dans les métiers du numérique, l'Afrique deviendrait mécaniquement le poumon de l'industrie mondiale du numérique. Du lundi au vendredi, 20h heure de Paris, des professionnels donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse africaine. Conseils, retour d'expérience, savoir-faire, savoir-être, autour du baobab, la connaissance est distillée par la voix orale, ancestrale. Les grandes sœurs et les grands frères diffusent une connaissance qui permettra aux jeunes de s'éveiller en vue d'une jeunesse décomplexée, une jeunesse ambitieuse, une jeunesse connaissant les réalités de l'entreprise, une jeunesse prête pour les métiers du numérique. Ce soir, deuxième vendredi du mois, système d'information. Les fondamentaux du système d'information, le réseau informatique, avec le grand frère Jean-Michel Zengzé, fondateur Proximex Cameroun. Le grand frère Birama Traoré est là, l'homme fort du réseau système d'information. Et ce soir, messieurs, monsieur Daniel Kanga, l'homme fort de Fitness Park, Côte d'Ivoire, l'Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique, des professionnels désormais prêts pour le sens. Deron Mulumbu, 28 ans, jeune entrepreneur et créateur de la première tablette Made in Africa, ma grande fierté. Ça a été dur, mais je l'ai fait. Dans la vie, il faut savoir se battre et défendre ses idées. C'est ce que j'ai toujours pensé. Mais jamais j'aurais cru que j'en serais venu aux mains. Ah, mais le gars est mal. C'est pas parce que tu viens d'Europe, tu peux me gifler comme ça. Ah, mais là, tu ne veux pas aller en Europe. Ah, mon reste ici, parce que tu sais quoi? En Europe, quand tu ouvres les robinets, c'est pas de l'eau qui coule. C'est du miel. Ah bon? En Europe, dans les arbres, c'est pas des feuilles qui poussent, c'est de l'argent, ça tombe par terre, les gens ramassent ça. Ils vont faire les courses avec au supermarché. Ah bon? Mais attends. Oui, en Europe, en Europe. Hein? Les habits, ça pousse dans les champs, comme des jeunes Carole Kofi Sikré. Les gens ramassent ça, les habits, les t-shirts, ils mettent ça directement. Ils ramassent les pantalons, ils mettent ça directement. Ils ramassent les chaussures, ils mettent ça directement. Ils repartent saper comme un sapeur congolais. Ah bon? La sape. C'est ça l'Europe. Ah bon? C'est ça l'Europe, regarde, regarde, lui là, je suis sûr c'est un bengui, c'est un Europe. Viens là, viens ici toi aussi l'Européen. Ce gars-là vient d'Occident, c'est un bengui, il vient d'Occident. Non, je ne suis pas un Européen. Comment ça tu n'es pas un Européen? Comment tu aurais pu avoir ça alors? Je suis Congolais, c'est moi qui ai créé cette table. Congolais, tu as créé ça? Hey, les lézards mangent des crocodiles, hein? Déjà, un, ce gars-là représente l'Africain que je déteste, celui qui pense que rien n'est possible en Afrique. Et de deux, il me parle mal. Ah, mais ce gars est fou! C'est pas parce que tu es occidental que tu peux me frapper comme ça, parce que tu viens de l'Occident! Et à chaque idée reçue que cet homme a sorti de sa bouche, je l'ai giflé. Ah, le gars est malade! À chaque fois que tu sortiras une bêtise, je te giflerai. Une bêtise? On sait très bien que ce sont les blancs, les occidentaux qui font ça, pas les noirs! Ce gars veut se travailler. Le gars veut me travailler, il veut se battre. Il veut se battre avec moi. Oh, voilà! Il veut se battre avec moi! Briser les idées reçues, modifier le logiciel qu'il y a dans le cerveau de notre jeunesse africaine, c'est là l'objectif des vidéos humoristiques que vous voyez à chaque fois
avant un webinaire d'Immicodeur. Je suis Douglas Mbiondou, président de l'association d'Immicodeur. J'ai 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié, 15 ans comme entrepreneur. J'ai choisi de donner du sens à ma carrière en devenant un repère pour la jeunesse africaine. J'ai choisi d'accompagner la jeunesse dans un nouveau logiciel, un nouveau mindset, afin d'avoir une jeunesse décomplexée, une jeunesse ambitieuse, une jeunesse qui connaît les réalités de l'entreprise et une jeunesse qui est prête pour les opportunités exceptionnelles que le numérique apporte. Après avoir accompagné 300 jeunes dans 5 pays, dans un métier, le métier de développeur, mon métier, j'ai choisi d'élargir avec une équipe désormais renforcée à d'autres métiers, d'autres opportunités. Et c'est pour cette raison que nous avons compris que la première action, c'est une action de sensibilisation. Vous êtes dans un webinaire d'Immicodeur, tous les soirs, du lundi au vendredi, 20h, heure de Paris, vous le savez. Nous, les grandes sœurs et les grands frères, nous mettons à la disposition de la jeunesse africaine un contenu exceptionnel. À la disposition de la jeunesse africaine, et vous l'avez compris, à la disposition des amoureux de l'Afrique, des amis de l'Afrique, de ceux qui soutiennent le travail de terrain, si vous connaissez un jeune sur le continent, et bien sûr, si vous êtes aussi dans d'autres pays du monde, si vous parlez français, si vous êtes sensible aux technologies, si vous voulez vous cultiver, voilà le programme. Un programme exceptionnel, c'est inédit. Du lundi au vendredi, 20h, heure de Paris. Vous voyez, nous sommes la deuxième semaine du mois d'avril et c'est le vendredi, système d'information. Et si vous savez bien, vous regardez, hier, on était jeudi, c'était Internet des objets. Et vous voyez que les choses avancent. Alors, nous, chez Immicodeur, nous sommes aujourd'hui parés. Nous avons un plan d'action. Il est très clair. Il est là. Les jeunes du continent, on l'a compris depuis quelques années maintenant, ils ont besoin d'être sensibilisés. Ils ont besoin d'être orientés. Et avant d'avoir des compétences techniques et une expertise, ils ont besoin d'avoir de l'intelligence sociale et comportementale. Vous savez, le truc qui fait que quand vous êtes devant la personne, vous dites « Ah, oh, petit, tu as du potentiel !»« Petit, tu as du potentiel !» Le fameux potentiel, c'est parce que la personne aura eu une intelligence émotionnelle, une intelligence sociale, une intelligence comportementale qui vous fait dire que quand bien même elle n'a pas l'expertise technique, eh bien, il y a quelque chose à faire. Après cette intelligence, il va falloir quand même l'outiller avec de l'expertise. La sensibilisation, c'est déjà un début. Mais après, il va falloir former et certifier. Voilà le plan que nous avons pour la jeunesse africaine. La former et la certifier. Former sur un métier en quelques mois et certifier la personne pour qu'au niveau mondial, on sache qu'elle a une expertise avérée et donc elle est capable d'intervenir partout dans le monde. Certification avec les éditeurs dans les logiciels de sécurité, les éditeurs dans les logiciels de système d'information, les éditeurs dans le domaine du développement d'applications, etc., etc., etc. Former, certifier, c'est le cœur du travail d'expertise que nous allons réaliser avec un ensemble de partenaires. Certains de ces partenaires sont des experts bienveillants qui ont acquis une compétence pédagogique. Le problème des experts, là, c'est qu'eux, ils ne savent pas parler bien. Ils ne savent pas former. Donc, nous, on va les accompagner pour qu'ils sachent former. Et puis, après, on va les mettre devant les jeunes. Ces experts, c'est ceux que vous rencontrez, vous croisez tous les soirs. Et puis, il y a aussi les centres de formation. Les centres de formation professionnelle qui existent déjà, que nous allons valider et que nous allons associer dans le cadre de l'accompagnement d'Immicodeur qui est ici, que vous aurez l'occasion de regarder un petit peu plus sur immicodeur.com/famille. C'est un process très clair qui va vous permettre de savoir et de répondre à la question comment est-ce que Immicodeur accompagne la jeunesse. Voilà, donc pour ceux d'entre vous qui veulent savoir comment Immicodeur accompagne la jeunesse, pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe, eh ben, n'hésitez pas à aller sur cette page immicodeur.com/famille. Et là, vous allez pouvoir avoir le détail de comment est-ce qu'on accompagne les jeunes. Hop, aujourd'hui, nous sommes le deuxième vendredi du mois. Il y a du lourd en plateau. Vous savez que chez Immicodeur, il y a toujours du lourd. Moi, je parle seulement comme ça, mais je sais que derrière, là, il y a du lourd, un backstage.
Moi, je passe sereinement. Si vous êtes une organisation internationale sensible à l'éducation de la jeunesse et qui a compris que le numérique peut être vecteur, venez nous voir. Si vous êtes un pays, un État, si vous avez la responsabilité de l'emploi dans un des pays du continent, venez nous voir. Si vous avez la responsabilité de jeunes du continent, venez nous voir. Nous, nous sommes un tiers de confiance. 10 000 codeurs est un tiers de confiance. Nous sommes en relation avec les jeunes. Les jeunes savent que nous sommes sincères. Nous sommes en relation avec les experts. Les experts savent que nous sommes sincères. Nous sommes en relation aujourd'hui avec des entreprises qui cherchent à se développer sur le continent. Si vous êtes une entreprise, venez nous voir. 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans. C'est énorme. C'est gigantesque. Et donc, petit à petit, nous allons rapprocher de ces éditeurs, nous allons nous rapprocher de ces États pour leur dire que nous sommes là. Et bien sûr, j'espère que parmi ceux qui nous regardent, il y a aussi ces responsables d'organisation, ces responsables politiques, ces responsables dans le secteur social, ces responsables de projets qui dirigent des projets importants avec des objectifs mesurables pour des jeunes qui passent du sous-emploi à un emploi digne, qui passent du chômage à un emploi digne. Nous pouvons les mesurer ensemble. Alors, je ne vais pas parler plus longtemps. 5, 4, ils sont derrière en backstage. L'équipe système d'information. 5, 4, 3, 2, 1. Attention. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Birama. Bonsoir. Bon, je vais commencer par Birama, parce que Birama, c'est le boss ici. Hein. Faut savoir qui est qui. Donc, commence par le boss. Birama, bonsoir. Bonsoir Douglas, merci pour l'introduction, merci pour le partage d'informations. Et moi, je suis Birama Traoré, d'origine malienne. Ça fait un peu plus de 20 ans que je suis en France. J'ai fait mes études d'ingénieur ici, je pense que comme tout est chacun autour de la table, spécialisé en système et réseau. Et depuis... ma sortie d'école, c'est-à-dire en 2007, je travaille au sein de grands groupes, tout d'abord en tant que dans les grands cabinets de consulting, tels que Devoteam et Accenture, où j'ai passé quasiment 8 ans. D'accord. Et en occupant différents postes, hein, clairement, hein, c'est de consultant à manager jusqu'à senior manager. Et puis, depuis maintenant 3 ans, j'ai intégré Engie en tant que directeur des centres d'excellence ServiceNow et Salesforce. ServiceNow, qui est un outil SaaS qui permet de gérer, de faciliter la gouvernance en fait, des systèmes d'information, de les automatiser, d'industrialiser un certain nombre de processus. Et Salesforce, qui est un outil reconnu sur le marché et qui est un outil de CRM, hein, clairement, leader sur le marché. Et tous les grandes sociétés, tous les grands groupes dignes de ce nom possèdent un CRM de cette dimension-là qui facilite en fait leur relation avec l'ensemble de l'écosystème et surtout leurs clients. Donc, je m'occupe du déploiement de ces types de solutions. Au sein d'Engie. Constitué en fait d'un pool d'experts. Hein. Oui. L'équipe atteint aujourd'hui, l'équipe que je gère aujourd'hui atteint 80 à 90 personnes. Waouh. C'est une grosse équipe hein, répartie sur plusieurs plaques. On a de la France, Belgique, on a du Maroc, de l'île Maurice. On a par rapport en fait à la localisation de nos entités, un peu l'international aussi. Donc voilà, pour me présenter en quelques mots. Waouh. Moi, je vous avais dit, hein, moi, je dors. Moi, quand j'ai mes espèces, je dors. C'est du lourd, c'est exceptionnel. Merci, Birama, de prendre ce temps pour la jeunesse africaine. Donc, dédicace au Mali en particulier. Hein. Le Mali a du talent. Le Mali a du talent. Merci pour cette présentation. Donc là, c'est très, très costaud. Hein. 2017, ingénieur système et réseau. Donc, ça fera 14 ans, hein, 14 ans d'expérience. Exactement. Dans des grands consultants, dans les grandes boîtes, consultants, managers. Bon, on voit que c'est du lourd.
Et je pense que les jeunes ont besoin d'exemples, les jeunes ont besoin d'exemplarité, et tu en es la preuve. Merci à toi, merci d'être avec nous. Je rappelle que Birama est le référent de la communauté système d'information de Dimmy Coder tous les deuxièmes vendredis du mois. Bonsoir Jean-Michel. Attention, le micro. Le micro. Voilà, bonsoir Jean-Michel. Bon. Ouais, super. Bonsoir à tous, bonsoir Douglas. Merci pour l'introduction. Donc moi, Jean-Michel Zenguezé, hein, donc je suis en France depuis à peu près une trentaine d'années maintenant, 25 ans ouais. Exactement. Ouais. Donc, j'ai fait mes études au Cameroun, je suis d'origine camerounaise. Ouais. J'ai passé mon bac au Cameroun, je suis arrivé en France en deux années 90. Oui. J'ai passé mes études d'ingénieur jusqu'en 96. En 96, oui, tout à fait. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur en système et réseau. J'ai intégré l'armée de terre, donc le ministère des armées. Oui. J'ai fait mon service militaire parce que je suis français par ma mère, donc j'ai des liens avec ma mère qui m'ont rendu français. Donc j'étais appelé pour mon service militaire comme tout le monde, hein, on ne peut pas y couper. Oui. J'ai été. C'était pas mon projet de carrière au départ, mais bon, ça s'est présenté, il fallait le faire. Donc j'ai intégré l'armée de terre, après mon service militaire, ils m'ont proposé de m'engager, de m'embaucher pour faire de l'informatique. Donc, j'étais un peu réticent au départ, j'avais quelques doutes. Oui. Après, finalement, je me suis engagé. J'ai fait une belle carrière, j'ai fait plus de 10 ans en tant qu'officier de l'armée de terre. Donc, d'abord, en tant que jeune technicien, en tant qu'ingénieur système et sécurité. Après, j'ai pris un peu de galon en tant que jeune lieutenant, sous-lieutenant, lieutenant. Puis après, j'ai fini capitaine, notamment chargé des projets de sécurité de l'armée de terre. Donc, je travaillais sur la sécurité des réseaux de l'armée de terre en particulier. Et j'ai terminé en tant que sécurité des systèmes d'information. Donc, j'ai quitté l'armée de terre en 2007-2008, dans ces eaux-là. Oui. Après 11 ans de carrière. J'ai intégré le monde privé. Donc, j'ai travaillé pour une boîte à Paris, une boîte Archdata, qui était un intégrateur, une ESN en système d'information. J'ai travaillé en tant que directeur de projet pour une banque de crédit agricole, pour ne pas la nommer, pendant à peu près un à deux ans. Après, j'ai quitté cette entité j'ai été embauché par le groupe Devoteam. Je connais d'ailleurs Garama aussi. Eh oui. C'est en 2011 à 2014, je crois. Donc, le directeur technique de l'agence Devoteam Sud-Est. Donc, j'étais chargé notamment d'une équipe de chefs de projet, puis je venais en appui aux équipes RH commerciales, et puis je gérais des projets au forfait pour l'entité Devoteam de l'agence Sud-Est. D'accord. Ça dure à peu près 4 ans. Après, j'ai travaillé pour le groupe Econocom, notamment pour une filiale d'Econocom qui s'appelle Exaprobe. C'est un intégrateur, intégrateur informatique. Donc, ils assurent notamment tout ce qui est intégration de solutions réseau, de systèmes, de sécurité, etc. J'étais notamment responsable des services opérés, c'est-à-dire tout ce qui était infogérance des clients de cette entreprise. C'était à peu près un millier de clients. J'ai une équipe d'à peu près 50 personnes, des ingénieurs réseau et sécurité essentiellement. Donc, ça a duré à peu près 4 ans. Ça sera notamment tout ce qui est infogérance et projet sur la partie système, réseau, sécurité, communication unifiée, tout ce qui était fait sur IP, notamment tout ce qui est audiovisuel. Ça a duré également à peu près 4 à 5 ans. Wow. Après, j'ai voulu faire un peu autre chose. Hein. Donc, j'avais un peu l'âme d'entrepreneur en moi depuis de longues années. Je voulais me mettre à mon compte, mais bon, il fallait travailler. Donc, on est pris un peu dans la spirale du quotidien. Moi, j'ai décidé de me lancer à mon compte en 2018. Ça fait 3 ans. Donc, je suis entrepreneur depuis 3 ans. J'ai créé l'entité Proximex, donc, qui est un intégrateur de solutions. J'assure notamment de l'intégration des solutions de sécurité, mais pas que, IT et sécurité. Quand on parle sécurité, il faut s'appuyer sur de l'IT, donc sur du réseau, sur du système. On a sur l'intégration, l'infogérance, notamment tout ce qui est accompagnement des DSI. Notamment, c'est l'émission que j'assume moi-même en tant qu'entrepreneur. J'accompagne les DSI sur des projets d'accompagnement de transition, de changement, de management de transition, de gestion de projet. Donc, j'ai depuis donc une année une activité de formation également. On assure l'intégration, l'infogérance, conseil pour les DSI, et puis depuis un an, on fait également la formation opérationnelle en IT et cybersécurité. Pour cela, j'ai créé une entité donc, qui s'appelle IT Cyber Train, qui assure dans les formations opérationnelles des entreprises, pour les étudiants, pour les salariés, en termes de solutions de cyber et, ou alors IT, c'est-à-dire réseau, stockage, virtualisation, système et cloud. Donc, ça, c'est mon activité depuis à peu près 3 ans, et ça se passe pas trop mal. Un plaisir de travailler pour... d'accompagner 10 000 codeurs dans l'accompagnement de notre jeunesse africaine qui a besoin de compétences techniques, de repères, d'exemples,
on est partant pour leur donner les clés, les outils, soit demain, même près de la suite demain, le relais, pour pouvoir assurer cette transition numérique que nous connaissons tous aujourd'hui. Super. En tout cas, moi, je suis très, très content de t'avoir avec nous. On en parlera un petit peu tout à l'heure de la formation. La formation, c'est un vrai sujet, hein. La formation, c'est un vrai sujet et on annoncera tout à l'heure justement la collaboration et les projets de collaboration avec Proximex, hein, puisque aujourd'hui, 10 000 codeurs, on est dans une phase industrielle et on se devait d'avoir la possibilité qu'un chef d'État africain nous dise, bon, les petits là, on vous voit tous les jours là, bon, nous là, on a 100 000 personnes, 200 000, 500 000 jeunes qu'on veut former. On a un objectif dans 5 ans. Vos affaires des 10 000, là, nous, c'est pas ça. Nous, c'est du sérieux. Nous, on a 500 000 jeunes, on est un tel pays et on veut notre croissance économique basée sur la jeunesse, le numérique, l'innovation, l'économie du savoir. On a compris. On a compris que ce sont des secteurs qui peuvent nous permettre de passer à l'échelle. Comment on fait? Jusqu'à présent, nous, on bavardait seulement. Donc là, maintenant, on va passer à la vitesse supérieure et je pense que le travail que tu fais et l'expertise que tu as, l'expertise qu'a Proximex, ce sera vraiment très intéressant. On va enchaîner, merci Jean-Michel, on va enchaîner avec le grand frère Daniel. Daniel, tu es avec nous, tu rejoins la team système d'information, la team expert 10 000 codeurs. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? On veut tout savoir, la Côte d'Ivoire dédicace, hein. La Côte d'Ivoire est avec nous. Les amis de la Côte d'Ivoire, voilà un de vos grands supplémentaires. Nous, on en a déjà, mais là, ça s'ajoute seulement. Donc, Daniel, est-ce que tu peux nous dire qui est Daniel Kanga? Quel est ton parcours? Où est-ce que tu as fait le lycée? Où est-ce que l'étude supérieure, c'était où? C'était en Côte d'Ivoire, c'était ici? Et puis, d'accord. J'ai vu ton profil, 15 ans d'expérience, j'ai vu ton CV. Son CV fait 5 pages. Ouais, c'est vrai que c'est bon. J'ai fait pas mal de petites missions, mais bon. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à moi, me présenter rapidement? Donc, en tout cas, merci Douglas de m'accepter au sein des équipes d'experts 10 000 codeurs. Donc, quand effectivement je suis tombé sur 10 000 codeurs, ça m'a donné ce bon moqueur de dire, ok, il y a un frère qui le travaille, qui œuvre pour que la jeunesse africaine ait un repère. Et avec toute l'expérience que j'ai eue par mon parcours, je pense que je pourrais, à mon niveau, apporter un plus aussi pour qu'ensemble on puisse arriver. Donc, Daniel Kanga, que dire? Donc, Daniel Kanga, ça fait environ 20 ans que je suis en France. Donc, j'ai un parcours, on va dire, assez atypique. Donc, quand j'étais en troisième, j'étais très féru d'informatique. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un père qui a permis que je puisse faire des cours d'informatique. Donc, dès la classe de troisième, je touchais un peu à l'informatique. On avait en ce temps-là les ordinateurs avec les disquettes trois quarts. Donc, c'était quelque chose de... Les jeunes n'ont pas connu ça, Daniel. Ah, non, mais les jeunes n'ont pas connu ça. C'est ça, on avait quoi? 3,44 mégabits seulement de possible d'enregistrer sur la 4. Donc, c'était quelque chose. Et voilà, donc j'ai fait mon parcours en Côte d'Ivoire. Et il se trouve que quand j'ai eu le bac, j'ai fait un bac série scientifique. Et quand j'ai eu mon bac série scientifique, j'ai été orienté à l'université d'Abuba Djamé. En fait, l'université d'Abuba Djamé qui est aujourd'hui devenue université Nangui à Brogwa, est une université qui forme au domaine de l'environnement, de la nature, de la transformation agroalimentaire. Donc voilà, quand je parle de parcours atypique, parce que j'ai fait une maîtrise de sciences et technologies des aliments à l'université d'Abuba Djamé. D'accord. Donc, avec ce diplôme de maîtrise, j'ai postulé pour une école d'ingénieurs en France. Et quand je suis arrivé en France, j'ai fait mes 2 années d'école d'ingénieur agroalimentaire dans la transformation de produits, on va dire, de produits des pays de régions chaudes. Donc voilà, donc c'était une population de personnes qui venaient des pays chauds, du Mali, du Burkina, des Équateurs, tout ça. Et j'ai même fait mon stage de fin d'études en Équateur où j'ai travaillé sur la transformation d'un fruit en jus. Donc voilà. Et quand j'ai fini cette formation-là, mon objectif, puisque j'avais encore cette fibre informatique étant en moi, donc là, on était dans les années 2003-2004. Et donc, comme j'avais cette fibre de l'informatique, je me suis dit, je vais m'inscrire à l'université de Montpellier, puisque mon cycle ingénieur, je l'ai fait à Montpellier. Donc, je vais m'inscrire à l'université pour faire un 2SS
informatique appliquée aux organisations. Parce que mon but, c'était de me dire, OK, je fais ce diplôme d'informatique et j'ai les compétences en GPAO, donc gestion de production assistée par ordinateur. Donc, c'est un plus qui va me permettre de pouvoir, dans une chaîne de transformation, avec mon background d'ingénieur agroalimentaire, de piloter, en fait, la chaîne de transformation. Oui, oui, oui. Donc, c'était ça l'objectif en faisant cette formation. Donc, quand je finis ma formation, j'ai fini, donc j'ai commencé à postuler, j'ai cherché des stages pour pouvoir, voilà, performer par rapport à ce que je voulais faire. Donc, les stages ne suivaient pas dans le domaine agroalimentaire. Du coup, c'était dans le domaine du développement web que les formations arrivaient par rapport à mon DSS que j'avais fait. Donc, je me suis dit, OK, je vais prendre cette branche-là, déjà rentrer dans ce domaine. Et à partir de là, peut-être que j'aurai l'occasion de rebondir dans le domaine initial qui est l'agroalimentaire, pilotage de chaînes de production. Donc, voilà. Donc, j'ai fait mon… J'ai intégré donc une petite structure sur la ville de Perpignan où j'ai travaillé donc dans le développement d'une application web. Et par la suite, je suis monté sur Paris et j'ai intégré quoi, une autre boîte où là, j'ai travaillé en fait à développer des applications en direction de la direction administrative et financière. Donc voilà, je me suis spécialisé en fait dans ce qui était open source, donc PHP, tout ce qui est CRM, tout ce qui était Joomla, on va dire, tout ce qui était WordPress, donc tous ces outils en fait de CRM pour pouvoir voilà déployer rapidement des solutions packagées où on va dire l'utilisateur final n'avait pas forcément besoin de connaissances informatiques pour pouvoir travailler. C'est ça. Et donc par la suite, j'ai fait 2 années et par la suite, je suis rentré dans une ESN. En l'occurrence Unilog. Donc, ça, on était au centre de 2008. Donc, Unilog, en tant qu'ingénieur études et développement. Par la suite, j'ai eu donc quelques missions par-ci, par-là. En l'occurrence, dans le domaine du retail, en l'occurrence, chez LVMH, où je travaille donc sur toute la partie DAM et PIM. Donc, c'est tout ce qui est Product Information Management, donc assurer la gestion des données produits, et PIM, tout ce qui est Digital Asset Management aussi, qui assure la gestion des médias, de tout ce qui est vidéo, de sorte qu'on est dans un seul domaine, toutes ces informations, et que les utilisateurs n'aient pas besoin à chaque fois de uploader des images, mais d'aller piocher en fait dans cette base-là. D'accord. Ensuite, des missions dans l'énergie, donc chez Total, où j'ai su rester 2 années en tant qu'ingénieur études de développement, et après je suis passé référent applicatif de tout le pôle chez Total, où je pilotais une équipe de 5 à 6 développeurs pour lesquels j'étais garant de l'applicatif en interne et en externe. Donc les outils qui permettaient donc aux salariés du groupe Total de pouvoir être efficients dans leur travail au quotidien. D'accord. Donc, il y a quelques missions donc dans l'administration, donc ministère de la pêche, plusieurs missions à la fondation Nicolas Hulot, dans la distribution aussi Gamme Vert, chez Valeo, distributeur de pièces de voitures. Donc j'ai fait une année chez Valeo et en tant que chef de projet technique pour lequel on a déployé les 11 sites du groupe Valeo. Donc aujourd'hui, quand on arrive sur la page Valeo, en fait, on se retrouve à être redirigé en fonction de sa provenance vers le site de distribution de pièces en fonction du besoin. Donc, on a déployé la Russie, l'Espagne, la Turquie. Tous ces sites-là ont été déployés donc sous ma casquette de chef de projet technique. Et ensuite, je voyais à SNCF aussi quelques missions, une mission qui m'a permis voilà, de travailler sur la bioterie de vente en ligne. Donc, en passant donc de ingénieur d'études et développement, ensuite, travailler en tant que concepteur, réalisateur, je suis passé chef de projet technique et aujourd'hui, je suis rentré chez le groupe Fitness Park en tant que responsable de service projet. Et aujourd'hui, on a un gros projet qui est en cours, qui est toujours en cours. Et donc, il permet là, effectivement, de passer, et comme c'est l'objet un peu de la discussion aujourd'hui, de passer vraiment des solutions on-premise du groupe vers la solution cloud pour la gestion, en fait, du logiciel qui est utilisé donc en cloud par rapport vis-à-vis des commerciaux, vis-à-vis des adhérents. Donc, aujourd'hui, cet outil-là permet vraiment de digitaliser toute cette gestion des clubs fitness park, et c'est quelque chose aujourd'hui qui vraiment apporte un gros plus pour le groupe. Donc
voilà un peu présenter mon parcours au sein de Fitness Park et un peu d'où je viens. Je pense qu'on aura l'occasion d'échanger encore par la suite sur le parcours. Mais c'est du lourd, hein? Les gars, moi, je vous ai dit, vous venez là à 20h, heure de Paris. Je me dis, mais vous pouvez pas, c'est du lourd. Vous avez des références, des modèles. Waouh! 15 ans d'expérience, donc c'est super, hein, parce que je me rends compte souvent, les experts, ils avaient commencé quelque part, et puis, en fait, ils sont arrivés autre part. Et c'est marrant parce que la vie les amenait quelque part où peut-être qu'ils ne correspondaient pas à leur choix initial. Et tu vois, toi, tu étais passionné par l'informatique en troisième, et maintenant, ça te rattrape. Bah, c'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est un grand message pour les jeunes. Les jeunes, voilà, vous pouvez commencer quelque part et puis vous changez, vous avez le droit. C'est la vie, c'est comme ça. Vous pouvez vous tromper, vous pouvez vous égarer. Vous pouvez suivre ce que papa, maman vous avait dit ou l'environnement vous avait dit. Vous êtes dans une famille de grands juristes. Bon, bah, dans votre tête, vous allez être juriste. Mais peut-être que non. Peut-être que vous avez une autre voie, vous avez un autre destin. Alors, merci en tout cas, messieurs, pour ces présentations. Le sujet du jour, les fondamentaux du système d'information. Donc, on a plusieurs séquences comme ça sur les fondamentaux du système d'information, sur les systèmes d'information. Je vous rappelle qu'on alterne, chez Dimly Coder, trois casquettes dans les webinaires système d'information. Une casquette infrastructure, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Une casquette sécurité et une casquette sur la partie application, d'accord, où on va petit à petit parler des technologies pour gestion de la relation client, des technologies dans les ERP, des technologies dans la supply chain management, le data warehouse, toutes ces briques qui sont utiles au jour le jour pour les entreprises. Et là, on va parler un petit peu d'infrastructure. Et le sujet, globalement, c'était de se dire, vous, les jeunes, il faut que vous sachiez que bah, y a des fondamentaux. D'accord ? Je pense qu'on en avait parlé un petit peu la dernière fois. Et moi, il y a trois aspects que je voudrais aborder. Et là, on fait un retour d'expérience. Tu viens de parler, Daniel, de la partie par rapport à ta société actuelle, migration vers le cloud. Et on avait discuté la dernière fois avec Jean-Michel sur « Oui, mais attention, il n'y a pas que le cloud. » Moi, je suis très cloud. Je suis très cloud et je suis en train de dire aux jeunes en Afrique « Écoutez, mettez vos cloud, au cloud, au cloud, au cloud, au cloud. » Je crois que Jean-Michel m'a dit « Écoute, Douglas, attention, le cloud, c'est bien, mais tu sais, toutes les entreprises ne sont pas sur le cloud. » Et le cloud représente finalement une petite partie des systèmes d'information. Donc, nos jeunes, il faut qu'on les prépare à d'abord avoir des fondamentaux qui leur permettent de travailler avec, entre guillemets, à l'ancienne. Et puis, leur dire qu'il faut quand même qu'ils se préparent au cloud. Donc, je voudrais que, déjà, une première question, dans vos environnements respectifs, messieurs, quelle est la part du cloud dans le système d'information et quelle est la part du on-premise? Ça, c'est une question que je voulais déjà au niveau pour poser le débat. La question que je poserai après, c'est au niveau des expertises, puisqu'on parle aujourd'hui avec des jeunes et des métiers. Quels sont les métiers aujourd'hui? Est-ce que les métiers ont évolué sur la partie infrastructure? Est-ce qu'il y a eu à marche forcée, on en parlait tout à l'heure, est-ce que ceux qui faisaient administrateur système réseau, est-ce qu'on les pousse vers le cloud ou ils sont encore très très occupés aujourd'hui sur la partie justement non cloud? Voilà la question. Donc on va commencer peut-être par Birama. Birama, quelle est la part de... Alors, sans dévoiler de secrets, hein, parce que bon, je veux pas dévoiler des secrets, mais quelle est, d'après votre expérience aussi, hein, puisque vous avez fait plusieurs structures, la part du physique dur, la machine, la salle des machines, là où il fait froid, là. Je pense que la question, moi je la poserai, la réponse que je donnerai à ça, c'est plutôt... la part du cloud dans l'ensemble des organisations, des systèmes d'information. Oui. Aujourd'hui, on sait que les premières tendances, en fait, c'était en 2014-2015, hein, même si le cloud computing, on en parle depuis les années 2000. Hein, parce que quand j'ai commencé à travailler déjà, ou quand j'étais à l'école d'ingénieur, on parlait de ces sujets-là, mais ça n'avait pas connu autant d'ampleur. Mais ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur quand on a eu des grands acteurs tels que Amazon et Microsoft qui se sont mis à fond sur ces sujets-là. Oui. Et donc, les années 2014-2015, là, on a commencé à avoir en fait l'émergence de ces sujets-là. On va dire aujourd'hui que les entreprises, il y en a certains qui sont allés à marche forcée.
Ça a toujours pas été une réussite, clairement. Hein, les premiers gros projets cloud, peu ou prou, en termes de retour sur investissement, c'est quasi nul. Et les vraies tendances se sont vraiment dessinées depuis, on va dire, 2 ans, 2 ans et demi, où on est en marche, enfin, on est dans un process un peu plus accéléré ou même de mise à l'échelle en fait des activités sur du cloud. Je dirais qu'aujourd'hui, la part de ce que je connais de ma fenêtre hein, est Oui. basée sur les différentes missions que j'ai pu mener en tant que consultant. Il y a quand Ouais. même un peu plus de 2 ans. Ouais. On doit être aux alentours de 30-40%. On D'accord. arrive difficilement encore à 50% encore. D'accord. OK, ça c'est intéressant. Donc tu as deux fortes étapes dont tu parles. Il y a 2014-2015 où les gros se sont mis, hein, les Exactement. Microsoft, etc. Et donc les gens suivent. Et puis là tu dis il y a 2 3 ans où là tu parles de marche forcée. C'est ça? Donc tu sens que Exactement. dans les organisations, on y va. On y va quoi. On y va. Tout le monde a On une y va. stratégie cloud. Tout le monde veut y aller. Autant en fait, on se posait des questions sur la sécurité d'un certain nombre de choses, hein, parce que beaucoup refusaient d'aller dans du cloud parce qu'en disant bon, on va pas mettre nos données dans le cloud, c'est pas sécurisé, etc. Mais quand on apprend qu'un Google ou un Amazon paye des voleurs spécialisés pour qu'ils viennent cambrioler dans leur data center et qu'ils n'y arrivent pas, et je pense que beaucoup de boîtes ne sont pas capables de faire ce genre de mise à l'épreuve. Oui. On sent vraiment que ces aspects ou ces idées sur la sécurité commencent à tomber de plus en plus en fait. Et donc du coup, il y a quasiment plus de freins. Les gens veulent y aller, tout le monde veut y aller. Et puis maintenant, tous les grands décideurs CIO poussent pour aller le plus loin possible sur le cloud. D'accord. Là, tu viens nous donner une info, là. C'est-à-dire que tu es en train de donner une information qui est quand même. Qui peut paraître un peu grave. Tu es en train de dire Qui peut que. même paraître saugrenu, hein. Ils sont à ce point-là, hein. C'est-à-dire que ce n'est même plus tester la résilience des data centers en fait qu'ils ont Ouais. là où ils gèrent en fait Ah l'ensemble des données. ouais. Ils vont à un niveau de sécurité beaucoup plus loin. C'est-à-dire que non seulement ils t'assurent le fait que en fait tes données de toute façon tu les retrouveras d'une manière ou d'une autre, Ouais. d'accord? Mais Ouais. non seulement tu as la sécurité virtuelle des données, mais tu as aussi la sécurité physique, parce qu'ils veillent en fait des voleurs spécialisés pour qu'ils essayent de rentrer dans leur data center et qu'ils essayent d'y dérober des choses. Et donc, ils sont à ce niveau-là. C'est pour te dire que en termes de résilience, ces sociétés-là, que ce soit Amazon ou Microsoft, ils poussent éminemment loin. Et je vais encore un peu plus loin, hein, parce que Oui. avant, quand on était enfin, dans une configuration où on avait une sale machine derrière quelque part et puis qui chauffait, et puis des fois ça faisait du bruit et tu voyais toujours un mec dedans, tu savais pas ce qu'il faisait là-dedans. Et quand Ouais. tu avais besoin d'un pauvre serveur, bon, déjà entre le gars qui venait le livrer où tu avais 3 semaines, et puis bon, il fallait que tu sois au bureau de tel jour à tel jour, de telle date, enfin de telle heure à telle heure. Quand il le livrait et toi, tu venais mettre un petit CD-ROM, t'appuyais sur un bouton, t'attendais que Ouais. l'installation se fasse, tu étais là pour vérifier que ça se fasse bien, et puis tu tapais les petites lignes de commande qui allaient bien pour faciliter l'installation. On avait tous ces efforts-là. Et globalement, quand on voit quand même que aujourd'hui, enfin, avant, on avait toutes ces opérations-là qui te prenaient, allez, au bas mot, 3 semaines, voire si tu étais vraiment entouré Ouais. d'un écosystème relativement compliqué, tu en avais pour 1 mois et demi, voire 2 mois. Et Ouais. aujourd'hui, en deux, trois clics, tu as le mot serveur. Imagine quand même le gain de temps. Il y a un gain de temps phénoménal. C'est juste colossal. Et globalement, c'est ce qui pousse aujourd'hui tout le monde, parce que enfin, de toute façon, la technologie va tellement vite. Le marché, le go-to-market est hyper stratégique et hyper important pour l'ensemble des sociétés. Tout le monde veut aller Ouais. vite et forcément, on est obligé d'adopter ces technologies-là. J'ai cité Amazon et Microsoft via la techno Azure, mais on peut aussi citer Google, hein. C'est les trois majeurs aujourd'hui qui Oui. assurent ce périmètre-là de cloudification de nos systèmes d'information. Super, merci pour ce retour. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Alors, j'enchaîne directement avec Jean-Michel. Qu'est-ce que tu en penses justement de cette stat déjà? Il y a la stat 30%. Est-ce que toi, avec ton expérience, est-ce que tu converges? Et puis, cette histoire des gros qui nous envoient qui nous poussent là. Qu'est-ce que tu en penses?
C'est vrai, je suis d'accord avec Rama sur le fait que le cloud, on en parle depuis très très longtemps, ça restait assez théorique. C'était une idée, c'était une tendance, mais les entreprises n'avaient pas encore franchi le pas parce que ça paraissait assez compliqué, assez ésotérique, donc elles avaient un peu peur d'y aller, sauf les grands groupes qui avaient les compétences pour le faire. Ça restait assez marginal. Et puis effectivement, 4-5 ans, il y a une vraie tendance et puis une vraie appropriation des avantages du cloud par les entreprises, ce qui fait que désormais, elles veulent y aller. Mais je différencie quand même plusieurs choses parce que les solutions cloud, il y en a plusieurs. Vous savez très bien. Les offres SaaS, c'est-à-dire les solutions en main fournies par les grands providers cloud, de type Amazon, Google ou bien Microsoft, c'est facile à acquérir. Achète une licence, tu te connectes, tu as un abonnement récurrent, tu n'as rien à faire. Notamment pour les outils de collaboration comme tout ce qui est Exchange, les back-office, tout ce qui est les solutions ERP, clé en main, les solutions comme le CRM, comme ServiceNow, etc. C'est facile à faire. Pas besoin de déployer des machines, d'acheter quoi que ce soit, d'acheter une licence, un abonnement, se connecter, terminer, c'est réglé. Donc, les solutions SaaS sont faciles à déployer parce que ça ne demande pas de contraintes particulières en organisation et de déploiement. C'est hyper rapide. Les entreprises ont compris que pour avoir ce type de solution, le cloud est hyper performant. Idem, quand il y a des nouveaux projets, des projets notamment de déploiement de nouvelles applications, auquel il faut fournir des environnements complexes pour le développement, par exemple, à grande échelle. Tu as les grandes banques, les assureurs qui veulent développer des applications, qu'il faut avoir des centaines de serveurs, voire des milliers de serveurs. Ils vont pas les acheter, c'est trop cher. Donc, Amazon, comme disait Birama, ils te fournissent ça en un claquement des doigts, 100 machines prêtes à travailler dès demain, en 24 heures, c'est prêt. Quand tu provisionnes des environnements, plusieurs dizaines, voire centaines, même milliers de machines, en une semaine, tu as tout ce qu'il faut. Donc, c'est hyper rapide. Donc, pour ce type d'entreprise, le cloud est une vraie plus-value. Ça permet d'avoir des environnements très rapidement clés en main. Donc, elles y vont assez facilement. On peut citer ServiceNow, on peut citer quelques outils comme ça très utilisés par les entreprises et qui peuvent permettre à l'entreprise de les installer rapidement. Tout à fait. ServiceNow, ça, c'est du clé en main, c'est du SaaS. Les solutions d'ERP classiques, SAP, tu as beaucoup de solutions SAP qui sont également en SaaS. Les En face, solutions ouais. ERP, des comptabilités, tu as des CRM en tout genre, la plupart sont dans le cloud. Donc, c'est hyper, Tout c'est à du fait. SaaS, c'est facile à déployer, ça marche très bien. D'accord. L'autre point également qui était un point bloquant il y a quelques années encore, c'est les aspects de sécurité. L'entreprise considérait que les données dans le cloud, c'était pas sûr, c'était pas chez elle, donc elles avaient l'habitude de travailler en on-premise, tout était en local, on le voyait quasiment toucher les serveurs avec ses propres mains, on était rassuré. Désormais, ils se sont rendus compte que le cloud est plus sécurisé. Comme disait Birama, Google, Amazon font des tests de sécurité beaucoup plus poussés que les entreprises ne peuvent le faire. Du coup, ils se rendent compte que le cloud, c'est Oui. sécur et les données sont chiffrées, elles sont pas accessibles à n'importe qui. Les entreprises ont compris que dans le cloud, elles ont même parfois plus de sécurité qu'en interne. Les solutions de chiffrement proposées par Amazon ou par des providers peuvent en déployer elles-mêmes, des architectures de clés publiques fournies par elles-mêmes. En termes de sécurité, elles sont rassurées désormais. Les données ne sont pas chez elles, mais elles sont quelque part, mais sécurisées, chiffrées, on ne peut rien en faire. Donc, ce pas également a été franchi désormais. Donc, du coup, D'accord. depuis 4-5 ans, effectivement, tu as une vraie accélération des solutions cloud parce qu'en termes de déploiement, ça va plus vite. En termes de go-to-market, comme disait Birama, c'est beaucoup plus rapide. En termes de sécurité, quand il y est, c'est plus facile à acquérir, elles y vont. Donc, depuis quelques années, on a cette vraie tendance vers le cloud. Moi, je dirais en termes de proportion, effectivement, c'est entre 30 et 40%, pas plus. C'est là la D'accord. tendance, c'est ça la vraie marge. Les autres entreprises qui essaient d'aller vers le cloud, ça dépend des Ouais. solutions dans le cloud. Notamment, on en parlait tout à l'heure. Quand c'est du SaaS, va vite, on peut y aller. Ouais, C'est ouais, ouais. du IaaS, c'est-à-dire avoir une infrastructure complète avec des serveurs qu'on provisionne et puis qu'on construit soi-même. C'est Oui. valable pour des besoins applicatifs qui sont nouveaux. On veut des machines pour déployer une application, on les acquiert. Le PaaS, c'est Ouais. pareil. Quand tu veux une plateforme de stockage, tu vas dans le cloud. Mais les entreprises, quand même, elles réfléchissent un peu parce qu'elles ont quand même un existant qui n'est pas négligeable. Aujourd'hui, elles ont des serveurs, elles ont des data centers, elles ont de l'infra existant. Donc, migrer les applications dans le cloud, il y a plusieurs protocoles qui sont migrés. Mais ce n'est pas aussi évident que ça. Ce n'est pas toujours facile à déployer, à migrer. Tout à fait. Donc, on a des nouveaux besoins, on peut aller dans le cloud, on Oui. achète des machines, on déploie dessus, ça va très vite. Quand on a l'existant, bien l'existant dans le cloud, on réfléchit un peu différemment. Ce n'est pas tout aussi évident que ça. Les applications qu'on pourrait déployer D'accord. complètement, redévelopper complètement dans le cloud, ça peut également marcher. Mais parfois, la migration des applications un peu anciennes, un peu basées sur des anciens systèmes de développement, des anciennes applicatifs ou OS, c'est parfois les anciennes applications historiques des banques, des mutuelles, des choses comme ça. Ce n'est pas tout facile à porter tel quel dans le cloud. C'est un D'accord. peu plus lourd pour ces entreprises-là. Donc, elles font le pas de manière progressive. Mais sur les nouveaux besoins, effectivement, le cloud est une vraie alternative. Ça permet D'accord. également une évolution rapide. Tu prends l'exemple des entreprises qui ont des sites de e-commerce, les Oui. sites comme Amazon ou alors des sites discount, etc. Le cloud offre des fonctions qu'elles ne pourront jamais avoir en interne. Pas cette scalabilité, pouvoir supporter des pics de connexion de plusieurs millions de connexions à la seconde, à la minute, pourront jamais ces Ouais. performances en interne. C'est même pas la peine d'essayer. Donc, du coup, le cloud offre de vrais avantages et elles y vont de plus en plus. Donc, la tendance est forte, c'est vrai, elle est réelle, mais vraiment ce qu'on peut penser, c'est pas du 80%, quoi. C'est du 20, 30, Ouais. 40% maximum. Ça va D'accord. progressivement, mais on est quand même à cette tendance-là, je pense. Super.
Merci pour cette analyse encore très qualitative. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire, moi je pensais que c'était beaucoup plus, toi. Moi je pensais que c'était beaucoup plus. Mais en fait, non, ça tempère un peu. Alors, on va terminer par Daniel qui, lui, il nous a donné un bon exemple migration du on-premise vers le cloud. Quel est ton retour par rapport à cette question ? En fait, moi, mon retour par rapport à la question, c'est qu'aujourd'hui, le fait de parler de marge forcée, je suis tout à fait d'accord, j'adhère à cette idée parce que la situation de la COVID aussi a amené en fait les entreprises, les grands dirigeants, les CIO à s'orienter en fait vers le cloud pour donner cette disponibilité-là aux clients, c'est-à-dire le market, le B2C. Et donc, l'objectif, ouais, c'est que on a vraiment besoin que les clients puissent avoir la donnée et même les dirigeants d'entreprise qui puissent aussi accéder à leurs données, quelle que soit la position géographique dans laquelle ils se situent. Donc, la transformation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous, c'est effectivement, on s'est retrouvés, on avait enclenché en fait ce process-là avant, bien avant qu'on ne rentre dans le process de la COVID, avant que la COVID arrive. Mais la COVID est arrivée à un moment où, effectivement, on avait déjà démarré. Et comme disait Jean-Michel, ce qui est important et difficile aussi, quand on lance une nouvelle application dans le cloud, c'est vrai qu'on pense l'application pour la lancer dans le cloud. Donc là, il y a moins de contraintes par rapport à la mise en place. Par contre, quand il y a une application qui existe déjà et qu'il faut la migrer vers le cloud, là, par contre, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire toutes les études d'impact, il faut faire des proof of concept pour pouvoir mettre en place des ETL pour sortir l'existant, faire la transformation de sorte qu'on puisse effectivement mettre à disposition l'ERP, l'ancien ERP, donc sur cette nouvelle couche-là sur le cloud. Et voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut vraiment penser. Donc, la COVID a eu un impact. L'usage aussi de l'interconnexion qu'on veut faire à l'applicatif qu'on veut offrir aux clients. Aujourd'hui, c'est une solution qui est on-premise. On va dire, elle est un peu verrouillée, elle est un peu fixée dans un local pour y accéder. Connecter des API, c'est un peu plus compliqué. Alors qu'une solution qui est en cloud, la plupart du temps, on a prévu des API de sorte que, voilà, s'il y a une solution tierce qui peut intéresser la structure, on la connecte automatiquement et puis les flux de données sont mis en place et on offre une autre expérience client à l'utilisateur. Donc voilà un plus. Après, voilà. Maintenant, ensuite, il y a la stratégie en fait que l'entreprise veut mettre en place par rapport à gagner une part de marché plus importante. Oui. Donc, la part de marché, aujourd'hui, on est tout le temps en train de chercher de nouveaux clients, de nouveaux apports. Donc, si on arrive à interconnecter, offrir de nouvelles expériences, on gagne un peu plus de clients. Donc, dans ma structure aujourd'hui, cette part-là, elle prend de l'ampleur. On a travaillé vers les clients du groupe. Maintenant, on travaille aussi en interne par rapport aux différents services. C'est-à-dire que la DSI maintenant devient fournisseur de services. Tout à fait. Et là, du coup, on offre maintenant des services à la compta, au juridique, pour dire, OK, vous avez travaillé avec les fichiers Excel, c'est bien. Est-ce qu'on pourrait vous proposer quelque chose qui est aussi dans le cloud, qui permettrait d'aller plus vite, d'avoir les données plus rapidement? D'accord. Donc aujourd'hui, ayant travaillé vers la partie client externe, on travaille maintenant vers les clients internes que sont les différents services du groupe pour lesquels la DSI maintenant devient fournisseur des services. D'accord. Et ça, c'est quelque chose maintenant qui s'est fait de sorte que tout le monde soit efficient et qu'on dise, OK, je demande une information juridique, que je puisse avoir l'information en un claquement de doigts. À la compta, que je puisse avoir l'information en un claquement de doigts. Parce qu'aujourd'hui, ils ont cette capacité-là, cette facilité aussi de pouvoir obtenir l'information et aussi la partie sécurité aussi des données aussi fait que on ne se pose pas trop de questions parce qu'on sait que le cloud est éprouvé, il y a capacité de sécuriser la donnée et aussi la redondance de données. On a eu la problématique, on a été impacté par OVH aussi, mais je trouve que la structure, la redondance était de sorte que on n'a pas perdu. Oui, le data center a crashé, mais il y a eu une redondance, on a pu récupérer. Donc, ce qui a fait que
le plan de continuité de l'activité s'est mis automatiquement en place et donc il n'y a pas eu de perte de données. Le client n'a pas vu de perte. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, nos clients sont tous à la maison. Hein. On sait ce que c'est par rapport à la situation. Mais oui. au niveau des utilisateurs, hein, même des gestionnaires, ils n'ont pas senti en fait cette perte-là. Voilà. Donc, super. Que c'est très avantageux de passer, mais voilà, il faut vraiment penser, réfléchir la partie migration vers la solution cloud qui, elle, demande un peu plus de temps de travail, d'analyse pour que ce soit fait dans les règles de l'art, quoi. Super. Alors, je retiens plusieurs choses. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Jean-Michel ? Oui. Et dernier point, c'est que tu avais également le problématique des compétences. Il y a 4-5 ans, les compétences, au début, il y avait très, très peu. Les entreprises voulaient bien faire le pas, mais ils n'étaient pas assez experts. Ils avaient des profils assez câblés, expertise on-premise. Mais les services cloud à l'époque, les interfaces, je m'appelle les interfaces d'Amazon il y a 4-5 ans, ça piquait un peu les yeux quand même. Hein. Donc, il fallait y aller. Donc, dépendant de l'application dans le cloud il y a 4 ans, il fallait être robuste. Donc, ça a également freiné aussi les entreprises. Désormais, tu as des formations qui sont plus accessibles, qui sont plus généralisées, qui sont beaucoup plus, beaucoup mieux faites. Les entreprises ont formé leurs compétences. Donc, du coup, elles sont plus à l'aise pour engager des migrations dans le cloud. C'est quand même un facteur d'accélération des accès vers le cloud des entreprises, des compétences. Alors, merci. Donc, j'ai appris pas mal de choses intéressantes, hein, en plus de Birama qui m'a fait peur en disant que les GAFA, là, ils payent des gens pour nous faire accélérer. Il y a le fait que j'ai noté que la nuance, Jean-Michel, donc le SaaS, c'est facile. Donc, de plus en plus de solutions SaaS, en fait. Il y a beaucoup de SaaS qu'on voit. J'ai noté la sécurité plus forte dans le cloud. Donc, paradoxalement, on pourrait se dire, mais je mets ma data dans les nuages. En fait, c'est finalement, mettre ma data dans les nuages, c'est plus sécurisant que mettre ma data sur... Ça, souvent, c'est plus sûr. J'ai noté aussi donc, la nuance qui est de dire, on va partir sur le cloud sur les nouvelles applications, d'accord, mais que sur l'existant, il y a une étude d'impact à faire, qu'il va falloir faire au préalable. Merci pour l'information aussi sur la DSI qui devient en fait aussi... fournisseurs en interne avec cette recommandation des équipes internes à passer vers le cloud pour que la direction puisse effectivement capitaliser et peut-être pouvoir faire la prise de décision plus rapidement. Alors, on va revenir sur deuxième partie, sur la partie réseau. Alors, au niveau des compétences, justement, Jean-Michel, tu viens de parler des compétences. On avait plus de compétences cloud maintenant. Mais au niveau des compétences, et en revenant sur les fondamentaux réseau, on avait à l'époque, et puis certains d'entre nous ont fait, hein, on est sur le dur. On va sur la machine, on va dans la salle serveur, on ouvre, on maîtrise tout. Est-ce que sur le cloud maintenant, les gens qui vont sur le cloud, et puis nous, on avait appris les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que IP? Qu'est-ce que c'est que le OSI, d'accord? Comment communiquent deux ordinateurs? Qu'est-ce que c'est qu'un hub? Qu'est-ce que c'est qu'un switch? Qu'est-ce que c'est qu'un routeur? Et tout était physique. Est-ce que aujourd'hui, avec tout ce cloud, on peut se dispenser encore de tout ça? Parce que c'est là finalement la question. Est-ce qu'on peut se dispenser ou est-ce que finalement un administrateur système et réseau aujourd'hui, il doit entre guillemets faire tout ce que nous on a fait et en plus avoir une compétence sur le cloud? Donc, c'est les deux, mon capitaine. Donc, effectivement, là, on revient encore au même sujet. Quand on parle de cloud, moi, je différencie bien les différents niveaux de cloud, parce que c'est très structurant pour comprendre comment ça marche et comment on s'en sert. Quand je parle de solution SaaS, par exemple dans le cloud, compétences, il n'y a aucun changement. L'équipe va accéder à une application, un usage applicatif dans le cloud, c'est pas compliqué, il n'y a pas de changement particulier. Il faut s'organiser un peu en conséquence, etc., mais les compétences nécessaires, c'est quoi? Il faut savoir gérer les comptes chez le provider, et puis c'est tout. Genre une URL se connecte et puis accès à l'application. C'est relativement transparent. En tout cas, ça ne demande pas des compétences très pointues en termes d'utilisation de la solution SaaS. C'est une solution service dans le cloud ou de messagerie. C'est parfois transparent pour l'utilisateur. Il ne voit même pas qu'il est dans le cloud. C'est transparent pour lui. Donc, en termes de compétences, ça ne change pas grand-chose. C'est une solution clé en main. Je vais descendre les couches un peu plus basses. Je descends beaucoup plus bas les solutions IaaS, c'est-à-dire l'infrastructure à ses services. C'est-à-dire quand on prend un service où on achète ou on loue des espaces dans le cloud. Machine virtuelle, par exemple. Donc, il faut déjà connaître dans un premier temps comment j'accède à l'environnement cloud. Quel service le provider me propose? Comment je vais pouvoir construire les environnements dans le cloud?
Donc, ça demande dans un premier temps une compréhension des services proposés par ces providers. Et les providers, vous connaissez ça, dans tous les quatre, tous les trois d'ailleurs. Il y a une palanquée de services. Il y en a des tonnes, il y en a de partout. Amazon ne propose que 150 services, par exemple. Pour se connaître chez eux, il faut savoir à quoi ça correspond. Donc, déjà, il faut comprendre la culture service d'Amazon. À quoi correspond quel service? Qu'est-ce qu'un EC2? Qu'est-ce qu'un VPC? Qu'est-ce qu'un RDS? Qu'est-ce qu'un S3? Donc, il y a déjà un vocabulaire spécifique qu'il faut comprendre. Donc, tu as déjà besoin d'avoir une première couche de compréhension du service cloud. À quoi ça sert? Comment ça marche? Ça, c'est le premier niveau pour accéder à l'environnement du provider. Et ensuite, quand tu as un service cloud ou tu as une machine virtuelle que tu as commandée, par exemple, tu vas l'installer. Tu vas installer ton serveur comme tu faisais avant on-premise. Tu vas installer ton OS Windows dessus ou Linux dessus. Tu vas le configurer comme tu faisais on-premise. Tu vas revenir, une fois que tu as compris le premier écran, tu as franchi la première barrière de compréhension des services du provider et comment ça, on y accède, comment est-ce qu'on on le configure, tu vas devoir ensuite réinstaller tes applicatifs dans cet environnement-là. Et puis chez toi, chez Amazon ou chez Microsoft, etc. Tu vas devoir donc installer ton environnement from scratch. Charger tes images, tes OS, les mettre en place, etc. Donc, tu vas refaire l'administration que tu faisais on-premise avant. Base de données, tu vas la configurer, Amazon, etc. Donc, tu as la première chose, c'est la connaissance des environnements système à la base. Ensuite, si tu veux faire appel à des services de base de données, toi, tu veux appuyer sur ce que propose Amazon comme service de base de données pour connaître comment ça marche. Donc, tu vas souscrire un service de base de données d'Amazon, tu vas le configurer, le paramétrer. Donc, il faut connaître le service d'Amazon. Quel service je vais solliciter pour mon applicatif? Ensuite, tu vas devoir le configurer. Là, tu vas avoir les compétences que tu avais sur la base Oracle, par exemple, sur SQL, que tu avais on-premise en entreprise. Donc, il y a en fait cette double compétence qu'il faut avoir. La compétence des services proposés par les providers, il faut les comprendre, voir comment ça marche, comment je les configure. Et quand on a compris le service, après on a besoin d'avoir les compétences d'un expert système, les compétences d'un expert réseau, les compétences d'un expert base de données. Donc, les compétences qu'on avait acquis on-premise, on les déployer après. Si on n'a pas pu installer un serveur, on ne sait pas installer un serveur Windows 2019 ou 2016 en entreprise, on ne peut pas le faire chez Amazon non plus. À moins de commander une machine complètement déjà tout livrée avec l'OS, etc. Donc, les compétences dont on aura besoin dans le cloud, sont des compétences d'abord conservées à l'administrateur système ou réseau ou sécurité ou autre, on-premise. C'est la compétence, les connaissances qu'il a en plus des services du provider. Comment c'est architecturé, comment j'ai créé une passerelle d'un serveur à un deuxième serveur. Donc, toutes ces compétences, background technique, on-premise, le servira pour mieux exploiter le cloud. Mais s'il n'a pas ces connaissances de base, il aura beaucoup de mal. En plus, c'est même beaucoup plus compliqué parfois parce que les opérateurs cloud, donc, ils ont des philosophies un peu différentes. La façon dont on provisionne les serveurs chez Amazon, pas du tout la même que la façon de provisionner les serveurs chez Microsoft, encore moins chez Google. Donc, ils ont une philosophie de provisionner qui est un peu différente. Et si on n'a pas la bonne connaissance de base, comment je vais créer un sous-réseau IP chez Amazon? Comment je vais créer un environnement, je fais communiquer deux serveurs virtuels chez Amazon? C'est pas du tout pareil. Si on n'a pas les compétences de base, en réseau IP de base, en VLAN, en routage, on va se noyer complètement chez le provider. Parce que le provider, il ne fait que proposer des services classiques de Avian Premise dans un environnement un peu différent. C'est des onglets, c'est des interfaces de configuration particuliers, c'est des règles un peu différentes. Mais la philosophie sous-jacente, c'est toujours le réseau. C'est toujours l'IP. Il n'a rien changé. C'est toujours le serveur, c'est toujours la communication des serveurs, c'est toujours la connexion distante, c'est toujours la sécurité. Bon. Tout ça pour dire que le cloud demande compétences historiques de base, on-premise, très bien dans ses baskets. Et en plus, on complète ça par la connaissance des services du provider. Comment est-ce qu'Amazon provisionne ses machines? Comment je sécurise mon accès à Internet depuis Amazon vers le cloud? Pour prendre une solution qu'on appelle par exemple le Shield, qui est une forme de filtrage de pare-feu posé par Amazon. Si on a jamais réglé, traité, travaillé sur un firewall, un pare-feu entreprise, on ne pourra pas le faire chez Amazon non plus. Parce que tu ne sauras pas, tu ne comprendras rien. Donc, les fondamentaux on-premise te serviront pour mieux tirer parti des profits du cloud et même à l'au-delà. Si on ne les a pas, d'accord, un peu bancal, ça va être très compliqué. Super. Donc là, je vois que vraiment la jeune génération, la jeunesse là, donc ils ont du boulot, hein. Mais comment ils vont faire les gars? Mais ils vont mourir? Attends, parce que moi tu sais, j'ai créé mon compte chez Amazon. Bon, j'ai brûlé, mais c'était les $300 qu'ils ont donné, tu sais. Mais c'est vrai que quand tu crées ta plateforme, tu mets ton OS, etc., 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 mais c'est vraiment des compétences en plus, parce qu'une fois que tu as ton OS, que tu as calibré en fait ton CPU, que tu as mis ta mémoire, tu as fait le truc, eh ben tu te retrouves comme si tu étais sur ta machine, mais c'est un univers à part. Et après, on va te poser la question, pourquoi est-ce que tu choisis Amazon? Et j'ai fait la même chose sur Google Cloud. Mais c'est du temps, quoi. J'ai brûlé deux week-ends comme ça.
Les deux week-ends comme ça. Et ça, c'est en plus des week-ends que j'avais brûlés avant pour me mettre au réseau, tu vois. Le switch, le routeur, le routeur. Donc, du coup, les jeunes aujourd'hui, comment ils vont faire? Ou bien les jeunes, maintenant, ils comprennent plus vite que nous. Qu'est-ce qui se passe? Juste vite fait, je ne vais pas monter la parole. Je pense que, franchement, les jeunes ont besoin des fondamentaux dans son premier temps. Fondamentaux réseau, fondamentaux système, ouais. Fondamentaux sécurité. Il faut qu'ils les aident. Ils les aident d'abord. Ils soient capables de configurer des serveurs chez eux en premise dans une entreprise. S'ils n'ont pas cette couche de compétences techniques de base, là, ouais. On se perd dans le cloud. Le cloud rend les choses beaucoup plus intuitives, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus performantes. On peut aller très, très loin. Mais s'ils n'ont pas les fondamentaux en termes de base système, réseau, sécurité, ils auront beaucoup de mal à pouvoir tirer parti. Parce que quand on voit les environnements des providers, là, c'est bien documenté, mais c'est souvent un peu complexe. Ça bouge très, très vite. Les interfaces changent tout le temps. Les paramètres de configuration changent tout le temps. Si tu n'es pas à l'aise dans tes baskets, je vois mes gars, mes ingénieurs, parfois, ils me disent, mais ça change encore, etc. Ils cherchent dans le truc. Ça bouge tout le temps. Donc, si t'es pas à l'aise sur savoir comment je configure tel paramètre dans tel machin, tu vas passer 4 heures à trouver le point où cliquer. Trouver le bon endroit pour cliquer. Tu vas chercher un certain moment parce que c'est pas toujours si évident que ça. Les fondamentaux me paraissent importants. Très bien. Alors, on arrive à 21h. On va juste citer, si vous possible, 10 gros mots. 10 gros mots, on ne va pas les détailler parce que ce n'est pas la formation, mais 10 gros mots pour les jeunes qui nous suivent, là, qui ne connaissent pas du tout l'infra, 10 gros mots dans le secteur réseau. C'est-à-dire que les gros mots qu'il faut qu'ils aillent chercher, c'est-à-dire qu'après notre vidéo, là, il faut qu'ils aillent fouiller, ils vont prendre le vieil ordinateur de papa, de maman qui traîne, et puis s'ils veulent 10 gros mots au niveau de la culture réseau de base. 10 mots. Moi, j'aurais dit Cloud Highway. Cloud, vraiment, toi là, vraiment, mais mon frère, Highway, ça dit que Cloud Highway, donc remarque. Les autoroutes vers le cloud. Cloud, ça, c'est les réseaux vers le cloud. Enfin, Jean-Michel me dira si c'est la bonne terminologie. Alors, je comprends. Dis gros mots. Cloud Highway. Des gros mots, mais réseau de base aussi, hein, des choses de base, hein, c'est-à-dire. Vraiment, il a mis la barre un peu. Je te jure, mon frère, il est déjà highway. Non, il a suspendu là. Moi, pour moi, il faut pas prendre. Tu veux nous tuer directement là. Non, mais il faut pas prendre ni le boulevard ni le périph, il faut prendre l'autoroute. Lui, il gère 80 personnes. Est-ce que tu comprends? On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. C'est-à-dire que nous, on est en bas, là. Lui, il est highway. Alors, 10 gros mots. Un jeune qui veut faire l'administration système, avant d'aller au cloud, 10 gros mots qu'il doit connaître. Si un jeune veut faire de l'infra, il faut s'assurer que c'est qu'un routeur. Les deux mots clés, c'est routeur, switch. Donc, ça, c'est les équipements de base. OK. Routeur, switch. Déjà, ça, c'est les infra de base pour tout réseau d'entreprise on-premise classique. Même quand on va aller chez les opérateurs dans le cloud, là, tu vas configurer des routeurs. Hein. Tu vas cliquer sur 2-3 boutons, tu vas faire du routage quand même sur les 2-3 boutons de Amazon ou de Google. Donc, tu connais pas les protocoles de routage, tu auras du mal. Donc, moi, les fondamentaux. Du réseau, la base de la base, c'est être le routage, le routeur et les switches, routing et switching. D'accord. Oui. Ensuite, c'est le protocole de routage. Ça, déjà, c'est le protocole de routage et les VLAN. Je dirais les 4 mots de base. C'est quoi un VLAN? C'est quoi un routeur? C'est quoi un switch? Ça, c'est moi les fondamentaux. On commence par là. C'est l'IP de base. Si c'est pas ça, Amazon, il va être perdu. D'accord. On va les protocoles de routage LAN, WAN, etc. Mais déjà, protocole de routage, si, ça, rien que ça déjà, il est parti pour une semaine. Ouais. D'accord. Déjà, faire piquer les cheveux, piquer les yeux, la tête, mais ça, comprendre, on peut voir plus clair déjà. C'est quoi un VLAN? C'est quoi un protocole de routage? C'est quoi un routeur? C'est quoi un switch? Niveau 2, niveau 3. Moi, je sors d'un réseau, moi, je sors d'une entreprise, moi, je sors d'un VLAN, etc. Donc déjà, VLAN trunk, ça peut le parler, mais VLAN trunk, c'est les sujets qui vont ensemble. Donc déjà, ça, c'est les fondamentaux. Et ça, déjà, ils sont partis pour 15 jours, lire des docs sur Google, il y a tout est documenté. Hein. VLAN trunk, routage, switching, protocole de routage,
D'accord. Après, je rajouterai la virtualisation. Ok, La virtualisation. trinque, c'est ça. Mes cinq mots base. Puis on peut rajouter d'autres choses, mais déjà, ça, c'est les bases, la base de la base. D'accord. Ensuite, on peut rajouter virtualisation. Un peu de sécurité, non? Au niveau Oui, sécurité, c'est quoi les gros sécurité. mots que tu dois connaître? Pour sécurité, c'est tellement. Je mettrai firewalling, tout ce qui est firewall, c'est moi, tout ce qui est sécurité Ouais. périmétrique. Seulement D'accord. la protection de réseau entre un réseau de confiance et puis un réseau de non de confiance. Une entreprise à l'extérieur, une entreprise OK. Internet, d'une application dans le web, dans le cloud, pardon, et Internet. Donc, c'est vraiment DMZ. On peut mettre DMZ. firewall. Puis tout ce qui est classique, hein, ils entendent parler de tout ce qui est ransomware aujourd'hui, c'est classique, donc ça, ils peuvent trouver le ransomware, c'est quand même un vrai sujet aujourd'hui de sécurité. Tout ce qui Ouais. est ransomware aujourd'hui, c'est quand même DMZ aussi, effectivement. Mais voilà, l'homme, tu connais ces sujets, tu me poses même des questions, tu aimes me déranger, toi, là. Non, mais non, c'est un travail d'équipe. Gustave, Ransomware. Douglas te fait dire plus de 10 mots, là, parce que là, t'as fait une dizaine, voire une vingtaine de phrases, là, comme ça. Hein, Douglas, Douglas? continue tout seul. Là, tu me déranges même déjà. Ransomware. Non, La super. sécurité, c'est déjà pas mal ça. De quoi déjà commencer à se documenter un tout petit peu. Très bien. Et puis on va terminer par la phrase du boss, le Cloud Highway. Parce que là, c'est le 10, c'est le dixième mot. Voilà, on va terminer par le Cloud Highway. Je pense que c'est un bon moyen de terminer. Donc les autoroutes du cloud. Une fois qu'on a fait des choses comme ça, on va effectivement aller vers emmener le jeune sur les autoroutes du cloud. Exactement. Voilà. Donc, il est 21h10 quasiment. Un dernier mot pour nos jeunes qui nous suivent. Voilà des gros mots qu'on a mis, hein. Maintenant, vous pouvez aller sur Internet comme vous aimez aller sur Internet. Là, faut aller là-bas et puis vous obtenez cette expertise. Maintenant, pour la formation, un petit mot sur la formation Proximex. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce qui est possible de faire aujourd'hui, Jean-Michel, pour un jeune qui veut se former? Sérieusement, parce que souvent le jeune qui veut se former sur les produits, bon bah souvent les produits, il prend une licence, ça dure juste un peu de temps. Comment c'est possible? Je ne sais pas si tu vois mon écran là, je fais le partage. Juste, Ouais, c'est bon. on a évoqué de donner un petit aperçu aux jeunes sur les métiers d'infra. Je ne sais pas si vous voyez mon écran là Voilà. ou pas. Oui, c'est bon, on voit ton écran parfaitement. Était de dire aujourd'hui, Voilà, tu peux le mettre en pleine page si tu veux. je vais mettre comme ça. Voilà. Aujourd'hui, les métiers, pour qu'ils aient une idée des métiers des infrastructures au sens large. Hein. Oui. Aujourd'hui, l'homme clé, la ressource incontournable, c'est le technicien, l'administrateur. C'est moi D'accord. le cheville ouvrière. Je ne pas des infra purs, hein, du dev, des Oui. infra. C'est l'admin, l'admin système, l'admin réseau, l'admin sécu, c'est vraiment technicien, administrateur, c'est moi, lui qui fait tourner la boutique au quotidien. Lui qui installe les Oui. serveurs, c'est lui qui les configure, c'est lui qui gère le système d'information au quotidien. Les accès, les connexions, les accès Internet, la messagerie. C'est vraiment celui sans lequel, s'il y a un petit problème, on appelle quelqu'un, il n'est pas là, il n'y a plus rien qui marche. Donc, c'est vraiment la cheville ouvrière d'une entreprise. Toute Ouais. entreprise, l'administrateur, obligé. Que ce soit D'accord. on-premise ou cloud. C'est celui qui, dès qu'il y a un souci, tiens, ça ne marche pas comme il faut, j'ai pas accès à telle application, qu'est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? Tout le monde sait qu'il y a un incident dans ServiceNow ou pas. Mais au bout du compte, tu as quelqu'un qui va devoir s'occuper du sujet, l'administrateur. C'est vraiment le OK. profil, la cheville ouvrière. Ensuite, là, le profil au-dessus de l'ingénieur, qui est celui qui est un peu au-dessus, qui est capable d'avoir une vision beaucoup plus large, d'optimiser les infrastructures, de gérer les grosses installations un peu compliquées, de concevoir un peu les évolutions à mettre en place. C'est vraiment un peu le boss de l'administrateur, celui qui va pouvoir dire, voilà, D'accord. aujourd'hui, il faut qu'on mette l'application déployée, voilà comment on va le faire. Donc, c'est un peu le senior, si tu veux. L'administrateur, avec un peu de bouteille, il finit par avoir un niveau d'ingénieur. C'est lui qui a vraiment la D'accord. vision un peu au-dessus, un peu plus large du sujet. D'accord? Ensuite, OK. on a OK. l'architecte. C'est vraiment le concepteur, celui qui conçoit l'architecture, qui définit l'architecture à mettre en place. On va acquérir un nouveau site, on veut mettre une nouvelle application en place. Quelles sont les performances? Quel est le sizing à mettre en place? Comment il faut l'installer? Il faut mettre une base de données en plus? Il faut mettre deux serveurs ou un serveur? C'est vraiment celui qui conçoit comment est-ce qu'on évolue le système d'information, les nouveaux besoins. C'est moi la D'accord. tête, c'est un peu l'architecte comme le sens général du terme, hein, c'est moi le concepteur d'évolution. Tout à fait. C'est le chef de projet. Son nom l'indique, hein, c'est moi le pilote de tout ça, celui qui gère les projets, qui évolue les projets, qui pilote
l'organisation, le reporting, qui suit vraiment toutes les évolutions, les changements, les applications qu'on déploie, nouvelles infrastructures qu'on déploie, qu'on met en place, etc. C'est vraiment le maître de l'animateur des évolutions de l'entreprise. Okay. Après, c'est le boss au-dessus du directeur de projet. Chef de projet avec un peu de bouteille, il devient directeur de projet. Donc, gérer plus ouais. de projets, les budgets, doter les évolutions. Sans cela, c'est le grand boss qui a cette capacité à pouvoir gérer plusieurs projets en parallèle, plusieurs équipes de projets, etc. C'est un peu le grand seigneur. D'accord. Tu es le manager opérationnel, le mec qui va gérer une équipe de prod, patron du centre de service, le patron des équipes de production, pas le DSI forcément, mais c'est le manager, c'est le bras droit du site du DSI. C'est le mec qui gère le centre de service, qui gère les administrateurs, les ingénieurs, etc., qui est vraiment le patron de la partie DSI de production. Qui est la prod. On délivre le service, soit le GIE dont parlait, quand on met en place au sein d'une entreprise une équipe qui fournit le service aux équipes métiers, voilà, il y a le patron qui gère la production, responsable des équipes, des contrats, des engagements, des services rendus. D'accord. Et autour de ça, j'ai mis en plein milieu de ça, il y a du cloud, les nouveaux métiers dont on parlait. Il y a les développeurs du cloud, les architectes de cloud, les experts DevOps, les experts FinOps, et puis il y en a toute une palanquée comme ça, je n'ai pas eu assez de place pour les lister. Oui. C'est vraiment les métiers du cloud en plus qui permettent d'avoir les compétences historiques on-premise, plus la spécificité des connaissances du cloud. Moi, j'architecture ma solution dans le cloud. Je mets un petit bout on-premise, un petit bout dans le cloud, tout dans le cloud, le back-end dans le cloud, le front-end on-premise, etc. Donc, c'est moi qui conçoive, donc je porte mon application d'on-premise vers le cloud. Dimensionnement, quelle étude d'impact, on parlait d'Anne tout à l'heure, etc., etc. C'est moi l'expert concepteur de ces solutions dans le cloud. D'accord. Et après, dans les métiers de la cybersécurité qui transverse, les ingénieurs cyber, les analystes de cyber, les auditeurs, les pentesters, etc., etc. Donc, d'accord. Un peu les différents métiers trouvent autour du cloud, les infra, au sens large, les infra IT. Oui. Mais le profil clé, c'est moi l'administrateur, c'est moi l'homme du quotidien qui gère le SI. Un problème, c'est lui qu'on appelle hein, tout de suite. Sinon, on ne sait pas comment faire. Oui. Je disais, voilà, donc rapidement, c'est la formation que la société fournit, c'est vraiment la formation opérationnelle, donc dans le domaine de la cyber, du cloud, du réseau et de la virtualisation. Comme je disais tout à l'heure également, nous, on fait des formations purement opérationnelles. C'est-à-dire éviter des formations théoriques où on découle les concepts et les principes, mais sans les mettre en œuvre, vraiment basé sur des cas concrets et des projets réels. On déploie une application promesse, comment ça se passe? Moi, je configure mon réseau, mon système, ma sécurité, pour que l'application puisse se déployer de manière sécurisée. Donc, c'est moi, les formations à base de pratiques, de techniques, des cas concrets d'entreprise. Super. Un exemple, un exemple de schéma qu'on peut mettre en place dans ma plateforme de formation. Dans ma plateforme de formation, on déploie, on a le siège principal de l'entreprise, on a les sites distants, on a le data center. Tout ça, je configure en place. Je mets les serveurs, je mets les applicatifs, je crée les sites distants, je mets le firewall de sécurité entre les deux, et mon serveur de stockage qui stocke mes données, mes baies de stockage. On construit complètement l'environnement pour que les étudiants conformes, les apprenants, puissent pratiquer la vraie vie, dans la vraie vie. Dernier élément, un parcours de formation typique, par exemple, d'un administrateur système et réseau. Oui. En 6 mois, opérationnel. On peut avoir une première phase d'évaluation. On évalue son niveau. Il faut qu'il y ait un background technique. Celui qui n'a jamais fait de technique, ça va être trop compliqué. Il faudra trop de temps, il ne va pas y arriver. Donc, il faut qu'il y ait un background technique. Oui. Première expérience, même un autodidacte. Quelqu'un qui a passé dans une entreprise, qui a manipé un peu des serveurs, des réseaux, du switch, etc. Un bon niveau, bien, qui est bien câblé, motivé. Il faut un background technique, l'expérience est où être autodidacte. Mais il y a un test pour s'assurer que voilà, il va y arriver, il va pas perdre son temps parce qu'il va rien comprendre, il n'a pas les fondamentaux, c'est une perte du temps lui-même, donc c'est pas la peine. Donc, test d'évaluation, ensuite, en 6 mois, maximum, hein, le mec qui est bon en 3-4 mois, c'est faisable. Une phase de 2 mois sur les fondamentaux, on voit les bases du réseau des systèmes, théorique, étude de cas. Je calcule un sous-réseau IP, je calcule un masque de sous-réseau, c'est quoi? Moi, j'installe un OS, je configure les services sur Windows, etc. etc. Oui. Les fondamentaux, les connaître. D'accord. Ça, en 2 mois, ils acquièrent. Ensuite, on passe une formation d'administrateur, système et réseau, très dur. On met en œuvre un OS, un système, moi, je configure mes environnements d'authentification, mes environnements de connexion, mes virtualisations, mes serveurs, mon réseau, etc. Oui. Moi, je mets en place un réseau d'entreprise, moi, je sors vers le site distant, etc. etc. Donc, en 4 mois, 6 mois, compris, fondamentaux, formation pratique, les clés pour gérer un réseau d'entreprise. Qui ou grand, il peut faire.
Super. Installer l'AD, mettre la messagerie, mettre les accès Internet, mettre la sécurité qui va avec, les bases de sécurité en tous les cas. Ensuite, gérer les problématiques de connexion, d'accès, de performance, etc. Les bases de données, c'est faire. Excellent. Ensuite, s'il est motivé, il veut faire la sécurité et on repart pour une nouvelle couche. Donc, en 2 mois, OK. on donne les bases, Ouais. sécurité, les fondamentaux, les acquiert, cours théorique et exercice. En 4 mois à nouveau, on fait un bon expert sécurité. Pas de gérer des firewalls from scratch, pas de configurer des règles de sécurité sur un firewall, mettre en place du filtrage des flux de messagerie, filtrer des flux d'accès à Internet, de mettre en place de l'authentification forte, de mettre du chiffrement en place, etc. Donc, les briques, comment traiter les ransomware dans une entreprise, etc., etc. Ouais. Donc, toute cette de complexité sécuritaire, il peut l'acquérir en 2-4 mois. Donc, 6 mois, il est opérationnel en termes de réseau et système, sans Oui. difficulté. En 6 mois, s'il est intéressé, on fait un très bon profil d'un administrateur sécurité, sans complexe. Pas de gérer une entreprise de A à Z, traiter les problématiques de sécurité, de système de réseau, sans difficulté. Wow. Voilà un peu en quelques étapes. Bon, je te pose une question. Moi, j'ai deux questions. Au niveau des licences, est-ce que toi aujourd'hui, tu es capable, parce que bon, souvent, est-ce que les logiciels que j'utilise pour les démos, pour les TP, c'est les vrais logiciels qu'il va retrouver dans la vraie vie? Parce que des Absolument. fois, il y a des logiciels payants, où des fois, on fait des choses en fait quand on est perso, mais quand on est dans la vraie vie, par exemple, Palo Alto, par exemple, sécurité Palo Alto, c'est du lourd. C'est Absolument. payant, ça Je coûte te mets cher. du. Il a accès au Palo Alto, la licence Palo Alto, la licence Checkpoint, par Checkpoint, exemple. la licence Checkpoint. Forti Checkpoint, Checkpoint R80, pas de problème. Palo Alto, j'ai la licence. Cisco, ASA, Firepower, j'ai la licence. Fortinet, j'ai la licence. Stormshield, Sophos, etc. Proofpoint, D'accord. Zscaler, VMware, Hyper-V, j'ai toutes les licences OK. de toutes les solutions du marché. C'est ça Bon. l'avantage. Et les gens aujourd'hui, ils ont fait des tests des solutions open source ou bien gratuites ou d'évaluation. C'est pas les C'est vrais. ça. Quand ils ont les, moi, je parle de l'entreprise. C'est pas, et quand ils tombent sur les vraies solutions, ils sont un peu décalés parce que c'était pas comme ça qu'ils ont vu en formation. L'idée, c'est que je leur mets à disposition les vraies solutions contre l'entreprise, Palo Oui. Alto, Fortinet, Checkpoint, Cisco, ils travaillent sur la même solution. Donc, quand ils sortent de OK. là, ils sont certifiés. Après, on les certifie derrière. On les certifie sur Palo Alto après. On les certifie sur Fortinet ou Checkpoint. Donc ça veut dire qu'il sort avec L'accès une aux vraies certification solutions. Palo Alto, une certification Checkpoint. Absolument. Il est capable, s'il est OK. prêt, il est travailleur, on le forme, il passe sa C'est pas certification. intéressant. Ça, c'est une certification, c'est international. C'est un produit sûr. Bon, Absolument. moi j'ai une autre question. Supposons que l'Union européenne vienne maintenant et dit, bon, monsieur Douglas, j'ai vu la vidéo de monsieur Jean-Michel Zanguezé. Bon. Est-ce que vous êtes capable? Parce que nous, l'Union européenne, on a un petit problème avec les jeunes qui quittent la Méditerranée, là. Ça nous crée des problèmes, même en Italie, on ne sait pas comment les gérer, et puis ça crée un problème d'image. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux former en même temps 100, 200, 1000 personnes en 6 mois, 10 000 personnes? Comment ça se passe? Est-ce que ton environnement de formation, est-ce que c'est au cas par cas ou comment ça se passe? Mon environnement de formation, c'est la manière suivante. On crée par rapport à la formation qu'on veut déployer, l'environnement. Maintenant, je vais faire une Oui. formation sur Checkpoint. Je crée Oui. une entreprise virtuelle autour du Checkpoint. Des D'accord. serveurs, des routeurs, etc., des serveurs d'application, etc., et des firewalls OK. Checkpoint. L'étudiant se Oui. connecte à l'environnement, à son environnement, il travaille sur du Checkpoint. D'accord. Si un autre étudiant fait une formation Palo Alto, je lui crée un autre environnement avec du Palo Alto, des OK. ateliers techniques autour du Palo Alto, se connecte Oui. dessus. Les tests, comment je configure un Palo Alto, je crée une connexion distante, un VPN avec du Palo Alto, comment je mets en place du filtrage avec du Palo Alto, ses ateliers, et sa formation sur le Palo Alto, tout seul, il n'y a besoin de personne. Payé par un formateur D'accord. qui vient voir le faire une formation avec lui complémentaire. Donc, il peut se connecter. C'est ça l'intérêt du cloud, Douglas, c'est que tu peux déployer deux machines, tu peux déployer 200, voire 500, voire 1000. Quelqu'un se connecte, et c'est le cas aujourd'hui. Comme Amazon, de 100 machines virtuelles, 100 machines, Tout hein, à la fait. personne se connecte, il n'y a pas de problème. Tu vas seulement payer plus cher. Mais c'est quasiment illimité. C'est évolutif à la demande. Tu crées une machine, deux machines, 10 machines. Très bien. Moi, j'ai besoin d'avoir le. Je peux créer des environnements, toutes les technos. Dès que c'est prêt, que les modules de formation sont prêts, l'étudiant peut se connecter et et travailler. Soit 10, 100 ou 500, le provider qui gère. Tu peux avoir 10 000 machines, 100 millions de machines, il n'y a pas de limite. Amazon, il Ok, te ça fournit tout marche. ce que tu veux. Hein. Amazon, il n'a pas de limite. Hein. Super. Tu veux 1 million de serveurs, ça va coûter très cher. Hein, il te les fournit. Il n'y a pas de Très limite en bien. termes de.
vous les mettrez en tous les cas. Alors là, je pense que c'est du lourd. Daniel, qu'est-ce que tu en penses? Attention, le micro. Voilà, Daniel, qu'est-ce que tu en penses? Je suis impressionné. Je suis impressionné par l'outil, par la capacité de déploiement. Donc là, j'ai vu la présentation. Hein, c'est très clair. Et à la fin, on sort avec une certification. Je pense que c'est une valeur ajoutée pour la formation. Et là, on est dans du palpable, quelque chose qui n'est pas dans du théorique. Parce que la théorie, hein, on peut la trouver partout, on peut fouiller, on peut trouver, mais là, on déploie un environnement ISO à ce qui va être trouvé en entreprise. On travaille sur les outils qui vont être disponibles en entreprise. Il y a un programme qui est clair et bien défini. Et à la fin de ces 6 mois, on sort avec une certification et tout de suite, on est apte pour entrer sur le marché du travail. Donc franchement, c'est vraiment top, quoi. Super. Et on peut le faire avec dans d'autres métiers aussi, parce que tu as une technologie en fait qui permettra aussi de faire la même chose dans d'autres métiers. C'est bien ça, Jean-Michel? Absolument. Tu veux faire former quelqu'un sur des bases de données SQL ou Oracle? Oui. Je déploie deux serveurs Oracle, je les mets à haute disponibilité, et puis travaille sur comment je fais mes requêtes SQL, comment j'attaque ma base de données, comment je fais des ateliers, je fais les technos. En fait, je fais l'entreprise quelle qu'elle soit en fait. Excellent. Tout à l'heure, excellent. Les entreprises aujourd'hui, elles s'appuient sur le cloud pour faire les applications. Je suis dans le cloud déjà, oui. Donc je peux déployer les mêmes choses qu'elles ont en entreprise. Donc, je suis déjà dans le cloud avant même elles, si tu veux. Du coup, j'ai déjà créé dans le cloud ce qu'elles créent dans le cadre de leur vraie vie, vraie activité du quotidien. La base de données, super. Les serveurs, les applications, je les fais déjà dans le cloud directement. Donc, je les mets déjà en conditions réelles depuis le cloud. Oui. Fait qu'elles arrivent à l'entreprise, elles ont déjà fait ça avant. Parce que c'était les mêmes serveurs, super. Les mêmes applications et les mêmes logiciels. Dans la base de données, que ce soit de l'hyper, par exemple, un exemple, une formation sur la virtualisation. Comment ça marche? Oui. Les licences VMware et Hyper-V. Je déploie les serveurs dans le cloud. Je déploie 10 ou 15 serveurs. On active les fonctionnalités de vCenter pour gérer les serveurs virtuels. On gère la réplication, la redondance, les snapshotting. Comment je perds une machine, je récupère une autre machine. Je déroule les tests de cas de figure. Comment je gère des machines virtuelles dans le cloud. Il manipule, là, il fait des allers-retours autant de fois qu'il veut. J'installe, je réinstalle, je sauvegarde pas, je fais des snapshots, je fais des backups, je réplique, je supprime, ça remonte de l'autre côté, je relance tout en parallèle, j'ai la performance, j'alloue la mémoire, je retire du disque, etc. Donc, les opérations de virtualisation, c'est construit, manip, il pratique et tout ça, il sait comment ça marche. Super. Pas de limitation. Là, je pense qu'on a vraiment du lourd. Hein. Non, c'est bon, Jean-Michel, tu as gagné. Hé, hey, Jean-Michel, tu as gagné. Ah, Jean-Michel, tu as gagné. C'est bon. On essaye, de grâce. C'est bon, on applaudit. On est debout, on applaudit. Oh, arrête. Bon, je pense que là, on a vraiment du très lourd. Moi, je suis très content. Je pense que ceux qui vont voir cette vidéo, on va la reprendre, on va la diffuser. Parce qu'aujourd'hui, nos partenaires doivent le savoir. Je pense à Autodesk, qui est déjà un sponsor de Jim Decoder. Et aujourd'hui, mais on va aller voir en fait l'Union européenne, on va aller voir la Banque mondiale, on va aller voir l'État français, on va aller voir les États européens, on va aller leur dire et on va aller voir les États africains. Voilà, les États africains pour dire que tous les États aujourd'hui qui veulent faire de leur jeunesse un vecteur de croissance économique par l'économie du savoir et l'innovation, c'est possible, il n'y a plus de frein. Les grands frères sont là, les grandes sœurs sont là, la technologie est là, c'est aujourd'hui possible. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'inédit hein, dans l'écosystème tech africain, parce que en même temps, il y a la place de la diaspora. On parle souvent de la diaspora. La diaspora, ils sont où là-bas? Ils ont la petite argent et puis ils nous ont oubliés. Nous, on est là. Les grands frères sont là. Donc voilà, c'est du très, très lourd. On a dépassé un petit peu le temps. Enfin, dernier tour de table. Daniel, qu'est-ce que tu as pensé de notre séance? Écoute, pour une première séance, franchement, j'ai été très honoré d'avoir participé à ce webinaire. C'est quelque chose que je suivais en backstage. Ah oui, vraiment. Là, je te rends hommage, là, parce que là, Daniel, quand même, ma belle maman dit, mais qui suit, qui ne rate pas, hein. Ma belle maman, d'ailleurs, je l'ai salue, elle est au Sénégal. Ma belle maman me dit, mais ce Daniel Kanga, là, il intervient beaucoup. Et puis, il a l'air de connaître. Non, mais il y a pas mal de sujets, franchement, qui sont intéressants, même si ce n'est pas mon domaine de prédilection. La dernière fois, c'était sur l'IoT, et franchement, c'était super. Je suis resté captivé jusqu'à la fin, parce que, de façon personnelle, je pratique, j'ai des capteurs chez moi, partout à la maison. Oui. Donc, voilà,
c'est quelque chose que je pratique moi-même. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ok, ça peut m'intéresser. Donc, j'ai participé avec plaisir, j'ai posé des questions. Donc, franchement, je pense qu'il y a, beaucoup de sujets dans le numérique qui peuvent intéresser les petits frères de l'Afrique, et que c'est vraiment une occasion de venir, d'écouter et de trouver en fait leur voix dans ce qu'ils ont envie de faire. Absolument. On ne va pas tous peut-être faire de l'administration système, mais en écoutant les différents sujets qu'il y a, on trouve sa voix et on arrive à se lancer. Moi, je suis un cas, je suis passé par une voie et je suis arrivé sur une autre voie. C'est pour dire que d'où on vient, ce n'est pas une finalité. C'est là où on veut aller. Il faut se donner les moyens pour y arriver. Les formations sont là. Les grands frères sont là pour apporter leur aide, donner les pistes pour que eux derrière, ils puissent arriver là où ils veulent arriver. Donc, je suis très honoré d'avoir participé. Je te dis encore merci, Douglas. Et puis, j'espère qu'on pourra continuer encore l'aventure, quoi. Avec grand plaisir. Hein. On est en train de préparer ensemble le programme. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on te reçoit. On sent beaucoup de générosité dans les questions, les réponses et aussi les contributions que tu fais en ligne. Donc, on apprécie vraiment. Jean-Michel, le mot de la fin pour toi. Le mot de la fin pour moi, non, le mot de la fin pour toi, Glass. Merci pour ce que tu fais. C'est toi qui es le leader, le moteur de cette belle aventure. On t'accompagne, mais s'il y a quelqu'un qui mouille la chemise dans cette histoire, c'est quand même toi. On apporte une petite contribution. On essaie d'être à tes côtés, mais vraiment, merci à toi pour ce que tu fais. C'est du travail, c'est du lourd, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. On voit, je suis le pont tous les jours, donc le dernier mot c'est pour toi. En tout cas, bravo pour ce que tu fais. Parce que nous, on est des petites pierres, mais toi qui mènes le bateau, et puis bravo à toi en tout cas. Et moi, je suis content de mener ce bateau. Tu sais, c'est même la partie la plus facile. Je mène le bateau, je sais que c'est du lourd. Tu sais, souvent, les gens, ils bavardent. Tu sais, quand tu parles d'un produit que tu ne maîtrises pas, tu sais, comme des fois les jeunes bandits, là, tu vois, ils te parlent d'un truc, et puis dès qu'il a l'argent, il disparaît. Il change de téléphone, sa vie a changé, il déménage. Tu vois, la fée manière, tu vois. C'est ça. Et puis non, moi, je suis tranquille. Je peux venir tous les soirs, je parle. Et puis, je dis que, en tout cas, les gars sont là. Proximex, gros travail. Merci, en tout cas. Je suis très content de t'avoir rencontré, d'avoir rencontré Proximex. Ce que tu fais, c'est extraordinaire. Je pense que tous ceux qui ont subi ce soir, ils en ont eu vraiment pour leur temps. Et on va faire de Proximex un partenaire stratégique. C'est avec toi qu'on va partir voir l'Union européenne. C'est avec toi qu'on va partir voir la Banque mondiale. C'est avec toi qu'on va partir voir les différentes coopérations. Dernièrement, j'ai échangé avec la coopération belge et Nabel, qui font aussi un travail sur la formation dans les métiers en Afrique. On a des partenariats en cours avec des centres de formation professionnels qui ont des ambitions extrêmement importantes sur l'Afrique. Bon, nous, en tout cas, on est très contents, et d'avoir Proximex avec nous, je peux parler encore plus fort. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Je peux parler encore plus fort. Bon, c'est top. Je vous dis bonne soirée. Salutations à tout le monde. Merci pour les commentaires sympas. Voilà, j'ai kiffé grave. Voilà, il a kiffé grave. Est-ce que tu vois? Merci en tout cas. Merci pour les mots qui nous encouragent. On reste en contact, hein, Daniel. Il n'y a pas de souci. On reste en contact. L'étape d'après pour les amis, pour ceux qui nous suivent, inscrivez-vous sur manifestez maintenant votre intérêt pour 10 000 codeurs à être accompagné. Donc ça, c'est très simple. 10000codeurs.com/la famille. On a un process parce que là, vous nous suivez. Et puis, vous vous demandez forcément, c'est quoi la suite? On a le goût du grand frère, c'est bon. Douglas, tu as gagné. On a le goût du grand frère. Maintenant, comment ça va se passer? Eh bien, en fait, c'est très simple. Aujourd'hui, vous allez ici et vous allez avoir un process qui va vous guider avec une dizaine d'étapes. Et la première étape, c'est de vous inscrire. 10000codeurs.com/inscription. Tout commence ici, mais vous allez voir ici, sur ce lien, 10000codeurs.com/famille. Vous avez le process. Vous suivez le process et maintenant, vous allez rechercher, à part la sensibilisation, vous allez rechercher la formation, la certification et l'insertion. Nous, on regarde que ça maintenant. Vous avez le goût, hein, c'est normal. C'est du lourd. Quand c'est lourd, c'est bon. Maintenant, il faut te former, il faut te certifier et il va falloir t'insérer. Mais on va te suivre là-dessus. Daniel, Jean-Michel,
bonne continuation. On va laisser nos amis avec une nouvelle vidéo humoristique pour briser toujours les idées reçues. Salut. Toujours, toujours briser merci les à reçues. Tous. Bonne soirée. Bye. Merci ciao. Encore. Bye bye, ciao. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue au cours d'informatique. Cours d'informatique, mais il n'y a même pas d'ordinateur. Et c'est la première et la dernière fois. Hein. C'est la première et la dernière fois. Avant de commencer, je veux que vous sachiez qu'ici, tous les plus grands de l'informatique sont passés. Serge Matungulu, premier créateur d'un site internet sans coupure de courant. Franck Ribéry du Bayern, Steve Jobs, Bill Gates, paix à son âme. Et pardon, c'est l'inverse. Tous les grands sont passés ici. Ici, on ne blague pas avec l'informatique. Nous apprenons l'informatique sans ordinateur. Sans ordinateur. L'informatique est large. Et donc, qu'est-ce que nous allons apprendre ici en particulier? Mais c'est une question, non? Répondez! Bah, apprendre à créer un site avec le langage Java. Nous allons apprendre durant cette année les langages Java. Et comme vous le savez tous ici, les langages Java est... une danse. Le langage Java, c'est une danse, quand même. Mais monsieur, le langage Java, c'est un langage de programmation informatique. Mais tais-toi, toi, de qui tu connais la Java? Tu n'étais même pas né quand il y avait la Java. Laisse-moi danser ma Java. Oh, c'est trop. Et on a un site à terminer avant la fin de l'année. Venez, on se casse. Oh, mais vous allez où, là? On va à l'école d'en face. Eux, au moins, ils ont des vrais ordis. Et un vrai prof. Oh, mais vous m'avez demandé d'apprendre la Java. Je vous apprends la Java, non? La Java? Mais revenez, là, c'est ça, la Java. Venez. Oh, mais lui qui parle. Tu as loupé ta vie sans moi. Ah, c'est donc ça la Java. Bon.